Ce message vous tient. Il faut être une chose. Vous faites venir de vous sauver. Tu n'es pas destiné. Dès que vous nous voyez là, pour errer dans le désert. Amen, pasteur. Amen. Amen. Et Dieu dit, tu poses la question. Nous avons vu où il est tout. Pourquoi voulez-vous mourir? Moi, tu ne gardes sur le quoi pendant le faux point. C'est Ézéchiel, on t'avait de la bouche d'Ézéchiel. Non, 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 Ézéchiel, les amis, vous ne gardez sur le faux point. Pourquoi voulez-vous mourir? Tu ne gardes sur le pendant le faux point. Peuple d'Israël. Tendre et le seul ennemi. Venez dans moi. Nous sommes comme maintenant. Moi, je suis la source de la vie. Mais non, tu te coches à Jim. Et je vous donnerai. Moi, nous rendons la vie. Jim. Amen. Amen, pasteur. Il nous croit que l'église, c'est seulement un endroit où on vient pour se récréer. Il ne prend pas au sérieux. C'est que des gars éternels. Alors ils font les mélanges. Tantôt ils sont dans l'église, tantôt ils font dans le monde. Mais vraiment, coupable. La porte de Dieu dit ceci. Mais avant l'amour du monde, c'est l'adultère. C'est être ennemi de Dieu. Quand on aime le plaisir du monde, quand on aime le monde, le monde c'est pas ce que nous voyons. C'est le principe qui. Les hommes et les femmes qui s'opposent à la volonté de Dieu. Les hommes qui combattent l'évangile. Les hommes qui aiment le péché. C'est ça le monde. Et Dieu dit ceci. Si tu veux avoir la vie, tu dois renoncer à cela. Et la parole de Dieu, quand elle va entrer, elle va commencer à accomplir son âme dans ta vie. Amen. Et il y aura un changement. Amen. Parce que quand on est chrétien, on doit marquer un changement. Amen, pasteur. Une transformation dans notre vie. Sinon, on est encore religieux. On peut chanter, on peut danser devant le Seigneur, on peut chanter. On est perdu encore. Mais Dieu ce matin nous exhorte à prendre notre chemin. Le chemin droit. Le chemin étroit. Que Jésus a tracé. Et la parole nous le montre. Alléluia. Amen, pasteur. La parole doit avoir une place dans notre pensée. Voyez les gens. Toi, disons chrétien. Quand on veut que je ils lisent pas la Bible. Si Bible est en appel. Une semaine entière, ils lisent pas la Bible. Nous vivons le même cas que Bible si vous l'appelez. Pour la prière, c'est grave encore. Vous ne comptez pas les choses. Nous savons que vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut prêcher. Mais comment tu avoir la vision du ciel? Amen. Le ciel sera quelque chose. Amen. Dans le temps, tu vas dire avec le monde, l'issue va nous souffrir. Peu importe. Ça veut dire ça quoi? Il faut que j'ai seulement l'argent. Parce que le reste n'a pas d'importance. Mais parce que tu n'as pas de vision. Tu es aveuglé. Tu es ensorcelé. Ce matin, Dieu te dit ceci. Le ciel est une réalité. Dieu a tracé la route. Pour que nous puissions y marcher. Amen. Il faut la parole. Amen, pasteur. Il faut que nous puissions parler avec Dieu. Il faut que nous ayons une communion avec lui. Il faut donc prier. Et Paul dit ceci. Priez sans cesse. Amen, pasteur.
C'est pour cela que Dieu nous a donné des armes puissantes pour lutter contre lui. Et lutte ces armes, c'est la prière. Alors lorsque nous allons prier, lorsque nous allons demeurer dans la prière, dans une communion étroite avec les dieux, amen. 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 Amen, pasteur.